Ben bonjour tout le monde, ici Deadshot pour un Bag of Gaming numéro 7, je crois. Mais je suis pas certain. Je crois que c'est le 7. Si c'est pas le 7, ça doit être au moins le 6 ou le 5 dans ce point-là. D'après moi, c'est le 7. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le Bag of Gaming? Ça faisait un bon petit bout que j'ai pas fait de Bag of Gaming parce que j'avais pas besoin de périphérique vraiment pour mes consoles et tout. Parce que bon, ça faisait un bout que tout fonctionnait bien, fait que j'étais plus en train de gaming d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans pour commencer? Un sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, 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 oh! Encore une manette Xbox 360 qui fonctionne avec Windows. Comme vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes que j'ai faites, il y avait une manette qui était défectueuse avec mon Xbox. Et bien, cette manette-là, ben, je l'ai gardée. Je ne l'ai pas retournée parce que ça faisait 30 jours passés. Je n'avais pas pris de protection non plus. Puis, j'avais perdu la facture aussi. Donc, c'est vraiment... j'en avais besoin d'une autre parce que celle que j'ai présentement, c'est une manette qui venait avec l'Xbox. Bizarrement, c'est les plus anciennes qui marchent le mieux. Donc j'en ai acheté une autre parce que là elle a commencé à être vraiment usée. Le joystick elle a plus bien. Puis là je vais pouvoir jouer à Halo encore mieux. Ça c'est la première affaire. La chose que je vais plus acheter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un jeu ici que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant. Que je pensais vraiment jouer et mettre ça sur YouTube sûrement. C'est Dead Rising. Dead Island, excusez-moi. ça a vraiment l'air bon. J'ai vu beaucoup de monde qui ont joué à ça dernièrement sur Xbox. Beaucoup de monde qui m'ont dit des bonnes affaires sur ce jeu. Des bons compliments sur ce jeu. Donc j'ai vraiment hâte d'y jouer aussi. Mais j'ai vraiment vraiment beaucoup de jeux à passer ces temps-ci. J'ai même pas fini Assassin's Creed Revelation. J'ai vraiment plein de jeux à passer. Donc ça va falloir attendre pour ce jeu-là. Donc Dead Island, j'ai vraiment hâte d'y jouer aussi. Je sais même pas si ça joue multijoueur, je pense que oui. Mais c'est cool. C'était vraiment pas cher, donc j'ai acheté. On se casse pas la tête. Il faut finir ça en beauté. Ça c'est la chose que j'avais le plus besoin. Parce que tout tourne tout seul. Et ben, pouf! Des Razer Corcorias. J'ai pris des Razer Corcorias en cause de. En cause du. Des écouteurs. Vraiment, en cause des écouteurs. La protection qui vont autour des oreilles. En cause que. L'été, on suit souvent des oreilles quand c'est toujours comme entouré. Il n'y a pas d'air qui circule, fait que ça fait beaucoup de sueur. Mais avec ces écouteurs-là, ça va pas se produire parce qu'ils ont laissé comme une petite craque, genre. Que je vais pouvoir. Ça va plus suer. Ça va plus suer. Fait que ça va être vraiment. Razer Corcorias. Les nouveaux écouteurs. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Je vais prendre ça tout de suite. Puis il y a encore Deadshot. Et keep on gaming.